Victor Dubuisson a fait ses premiers pas dans cette Ryder Cup 2014 ce vendredi après-midi lors des foursomes. Associé au Nord-Irlandais Graham McDowell, Dubuisson se frotte au gratin du golf mondial face à la paire américaine composée de Keegan Bradley et de la légende Phil Mickelson. Après un premier trou partagé, la paire européenne prend l'avantage dès le deuxième trou. Au 5, le score monte à plus 3 en faveur de Dubuisson-McDowell, un avantage qu'il garde jusqu'au trou numéro 7. Plus 3, un écart confirmé par ce putt du français. La paire américaine se rebiffe et s'empare du 8e trou. Et avec l'échec de Dubuisson pour partager le 9, ils reviennent à moins 1. Mais les Européens sont insensibles à la pression et ils conservent leur avantage. Ce putt de McDowell au 16 offre le point à l'Europe et sa première victoire en Ryder Cup à Victor Dubuisson, 3 et 2 pour les annales. Grâce à ce succès de la paire Dubuisson-McDowell, l'Europe termine la première journée à plus 2, 5 points à 3. Humble dans la victoire, Victor Dubuisson remercie Graham McDowell de l'avoir aidé pour ses débuts en Ryder Cup. Oui, une grande expérience. Vraiment, la façon dont Graham a été avec moi ces derniers mois, ces trois derniers jours surtout, et il m'a beaucoup aidé à être à l'aise dans l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai bien joué, si j'ai joué mon golf, c'est grâce à lui.